Bonjour, nous entendons là. Nous entendons là, je dis assez jeudi 14 septembre 2023. Préparatif en cours pour l'Assemblée générale des Nations Unies. Est-ce que vous entendez? Donc, mais on est d'abord, si vous entendez avant de commencer à parler. Mais toute indication dit que si un lata de bon, là, parce que non, micro, autant de moins. Ah, là, regardez. Ouais. Là, c'est une dame là. C'est des gens. Oui. Ok, d'accord. On a allé. On a dit bonsoir. Bonjour tout. Bonsoir tout. Quel que soit l'obgade. Ou obgade. Petite conversation ça que nous gagnons chaque jour. Eh bien, je dis à l'actualité à Super International. C'est surtout l'actualité abdominée avec l'inondation qui a frappé Libye là. Une inondation qui est d'après les Nations Unies. Qui était capable d'éviter de calculer selon Sifio. Sifio varie en 4000 à 5000 monde qui mourent, ça dépend qui est ce qui est là, mais données vraiment, c'est plusieurs milliers de monde qui mourent dans l'inondation qui a été Libye. Et puis, efforts secours continuent à faire toujours dans le Maroc. Nous avons été frappé depuis vendredi, et bien, efforts secours continuent, c'est peut-être ça va aller. Assistance à côté de la population victime. Non? Et puis tout, et non seulement assistance, et il y a la population en tout, et puis Mounio commence à enterrer, et en fait, la population commence à enterrer les victimes. Et il y a un côté que c'est pas enterrement, c'est sous masse, c'est un. Il y a un cadavre qui est surtout pas capable de faire, il y a un côté Mounio en masse. Donc, situation tragique, difficile. Et dossier la Chine avec par la Chine et dossier la Russie avec et Corée du Nord, devient actualité à tout. Corée du Sud n'est pas content du tout avec les négociations, ou bien encore sous armes que Corée du Nord a fait avec la Russie. Et, mais elles sont plus devenues actualité à tout. On va aller tourner l'autre qui s'est donné actualité à Chito. Nous n'avons pas entendu parler de ces dossiers, par exemple. Et puis, ici, aux États-Unis, il y a tout. Et un juge qui prononçait lui sur. Et Timon, le programme est DACA. DACA, c'est Timon qui est entré aux États-Unis. Là, Timon, alors, le monde qui est entré aux États-Unis, il était mineur, il avait parents. Sans document légal, ou bien qui était un visa qui est aux États-Unis, qui était sous visa. Et qui était, même après visa expiré, et Timon Sayo, ancien président Barack Obama, a mis un programme sur pied pour vous, pour vous dire que Timon Sayo n'a pas aucun autre pays que les États-Unis. Et bien, c'est en 2012, et programme où il était CV, où il était légalisé, le statut de Timon Sayo. Il y a un juge qui était censé bloquer, il dit que l'intervention du gouvernement, l'administration en époque là, était illégale. Et l'ancien président Donald Trump était intervenu pour terminer, il était fait dans le programme, non, mais ça va être mort du tout. Mais ça passe du jeu, il n'y a pas jamais demandé pour mettre Timon Sayo dehors, quand il était toujours en protection, permettre d'aller à l'école, et sous pas un dossier criminel. Et renouveler le permis de travail pour 2 ans, etc. Donc, le programme ça a été continué. Et le président Biden a essayé là pour le Tessita et Baïtoun ont leur statut encore pour intervenir au point fédéral même pour travailler le statut. Et bien, on juge qui décide mercredi 13 septembre que décision administration les prend pour lui pour une assistance légale by et. Dakayo, ou bien les Dreamers, les gens qui ont privé, les gens qui ont privé, bien, les éducations et interventions hein, illégales et que l'administration est dépassée. L'administration est surpassée. L'administration rentre dans un champ qui n'est pas champ. C'est-à-dire que c'est le Congrès qui doit faire ça. Mais je la passe à côté de tout, pendant ce temps, parmi les temps. Il va demander tout pour mettre fin à programme, non, que ce soit expulsé et bénéficiaire. Au côté de Captou, il y a plus qu'à prêter les États-Unis, qu'à apporter au nom de permis de travail. Mais je l'ai dit, je suis avec notre balai légal, en attendant que ce congrès qui vient droit font intervention
sous statut et Timoun Grimé Sayo. Mais il y a un administrateur qui a un juge qui a campé et qui a demandé pour que le programme à partir de 2007 pour pas être un nouveau bénéficiaire. Donc ça veut dire que pas un nouveau bénéficiaire là-dedans. Le monde qui dégage qui est estimé après de se passer 580 000. Et Timoun qui soutient surtout en Amérique latine, surtout en Amérique latine, qui est dans le programme ici-là. Mais l'administration probablement il y a une possibilité pour y aller en appel avec décision pour essayer de casser décision et jusqu'au d'appel. Dossier qui a été ouvert encore, qui a été ouvert encore, et puis de ce foncier, nous parlons de un groupe immigrant qui est dans la zone et San Diego, Californie, et Charlotte bon foncier du côté Mexique. Et bien eux-mêmes, il y a tant de plus possibilités si gars font pas de eux. Et regarde la douane à protection pour parler du passage pour eux, pour être capable d'entrer, demander asile. C'est l'immigration qui sortit dans plusieurs côtés, toujours en Amérique latine, toujours en Afrique, jusqu'en Asie, qui la capitaine et qui des organisations, encore bien militants, tout capricé. Bah, on mange le matin, bah, on va passer le bouchon. En attendant avec espoir, on s'appelle par le gouvernement pour essayer de faire beaucoup de millions pour éviter ce qui est passé en mai 2023, pas passer encore, parce que les chiffres là pour augmenter chaque jour. Donc, ma partage de ceci là pour vous, pour nous parler de qui il faut qu'on fait pour essayer d'assister avec les groupes immigrants qui passent au niveau de la frontière, étant donné que nous avons techniquement la frontière toujours fermée pour ça, l'immigration, mais on n'est pas capable de demander asile sans pas gagner un rendez-vous. Et il y a d'autres programmes qui sont ouverts, comme nous sommes capables toujours entrer aux États-Unis légalement, par voie légale. Il y a un programme Biden, il y a un programme Biden qui est là pour 4 pays, dont Haïti, et Cuba, et Nicaragua, avec Venezuela. Et il y a un autre programme d'unification familiale qui est appliqué seulement pour les gens que le service immigration a déjà approuvé, demande d'une femme qui fait pour aux États-Unis. Et puis, il y a quelques programmes toujours qui sont là, mais on peut toujours aller dans le CBP maintenant, sous la frontière États-Unis avec le Mexique là, et puis faire demande pour un rendez-vous pour demander asile sous la frontière. Moi, non, pas venir sans rendez-vous parce que la nouvelle facture n'est pas bonne. De ces pays d'Haïti et de Dominicaine, le ministère de l'Haïti a confirmé, il y a une délégation haïtienne qui est en République Dominicaine depuis le 13, donc depuis le 13 là, et qui a négocié avec les Dominicains justement pour négocier sur l'affaire Rivière Massacre. Nous connaissons qu'ils sont pas commentaires entre Haïti et avec les Dominicains, côté du président dominicain, Luis Abinader, Haïti ou ultimatum pour camper sur construction une crise qu'Haïti a fait alors que les Dominicains déjà fait 11 déjà. Haïti, si on a tapé, c'est fait une et une de camper, mais paysans dans la zone qui sont censés mettre d'œuvre, qui sont même capables, qui prennent l'initiative pour continuer le travail, que l'ancien président, ou bien le défunt président Jovenel Moïse a commencé en 2021, et bien, ils ont même dit que c'est sous cadre, ils ont fait mouiller dans la loi, ils ont fait mouiller dans le canal là, tant pour qu'ils aient sur le travail. Donc, on entend dans ce plan diplomatique, parce que le dossier a été apporté, il y a une portée diplomatique, une portée commerciale, il y a une portée sociale. Donc c'est un côté environnemental, donc c'est l'autorité haïtienne, une délégation qui a discuté avec l'autorité dominicaine justement pour justifier la raison que ça devient que veut faire comme communauté haïtienne a devié de l'eau, il y a un massacre là, c'est pas vrai, que son entente qui vient et que Haïti a besoin de l'eau pour eux. Il y a la carrière qui était signé en 2029. En 1929 là, et bien après ça a été bien spécifié que nous devons partager égal et loi entre deux nations, mais et les Dominicains peut-être beaucoup plus et chargé de bénéficier plus de barrages là que Haïti par exemple fait, et c'est seulement le Dominicain qui peut essayer, mais le gouvernement dominicain est mauvais, le gouvernement mauvais aussi que la construction, la construction peut croiser en fait nord-est du Cap-Courage et Cap-Courage pour qu'il prenne l'initiative là. Et c'est un versailles dont bien aimé, il a dit que ça va garder, ils ont débuté par défendre Haïti, ils voulaient débarquer la production nationale, et bien il a encouragé. Donc ça fait que le week-end, s'il était du Vinakaï, ça va pas garder. Ma cité par le sénateur et bien aimé. Et puis bon, alors techniquement frontière d'Ahabong
et voilà maintenant les fermer et journal 2015 il y a eu rapporté que les gendarmes se sont tués donc à Fontaine 2015 au campé avec Zamir brandi dans main et devant barrière pour empêcher que Haïtien pas venir parce que 2015 et vraiment 2015 dit que il a fermé d'ailleurs consulat en ambassade de consulat dominicain en Haïti a fermé donc il n'a pas visa donc pas Haïtien visa et donc le thé même dit jeudi à partir du jeudi si Haïti pas campé sur construction et bien même il y a fait nous sommes fait il y a fait un français à voie terrestre et aérien et maritime c'est que Haïti barré par côté Haïtien parce qu'on peut devenir à Caillou et il y a appel qu'à passer sur mon ou besoin qui est Haïti rapide pour aucune difficulté pour prendre un avion en Haïti sous besoin c'est selon vous aller courir faire vite avant pour l'autorité dominicaine appliquer décision. Cependant, marché binational dans Caris, qui est encore tous les Dominicains, le marché fonctionné maintenant, d'après le journal dominicain de Sylvia, côté un commerçant haïtien qui vient acheter dans un alloc. Caris, ça c'est tout près. Tout près Elias Pignassé, tout près zone, côté parti d'Abon, enfin même Caris, ça qui sont l'autre communauté. Et bien, le même marché a été fonctionné matin, depuis 8h du matin, et bien, commerçants haïtiens ont été traversés à l'acheter, et commerçants dominicains ont été ouverts pour être capables d'écouler les produits et bas haïtiens. Et selon tout le journal et une nouvelle qui est publiée, tout, qui est dans les médias, tout est dit que plusieurs qui haïtiens achètent en plus la route dominicaine, surtout dans la partie d'abonnement, de plusieurs ont été réduits de moitié. Et mercredi 13 là, bon, très certainement, parce que c'est pas haïtien qui a l'acheter. Donc, agriculteurs, bien fermiers et dominicains ont des difficultés déjà pour les produits, parce que Haïti, c'est une entité que le fond de produits agricoles, agricoles avec haïtiens. Ça, c'est comme ça lié. Et puis, l'idée pour gagner jusqu'à présent, et nous, avec les Nations Unies, appareil là pour faire une. Et pour l'Assemblée générale, la prochaine Assemblée générale il y a là, et bien la va demander cap sur place et pour couvrir l'événement si là, gagner tout et l'idée pour une force multinationale, t'as gagné pour aller et en fait Kenya t'a pris peut-être une force multinationale pour aller assister pour national pour aider combattre l'insécurité. L'idée ça semble que des profits. En fait, ça c'est qui d'assurer pour assembler ou de prononcer ce dossier, bien que le dossier a été le 15 septembre, que le Conseil sécurité nationale a été prononcé sous si ou non la paille feu vert que Kenya a dirigé une mission militaire ou bien encore policier qui pourra aller des présidents nationaux à la CoAP et M. Negameo et puis ouais, c'est capable de faire là pour permettre. Élection déroulée dans le pays. Et puis, il y a une nouvelle concernant les États-Unis. Il y a un juge de l'État d'Atlanta, dans toute la Géorgie, qui décide que le président Donald Trump, ancien président Donald Trump, ensemble avec 16 l'autre co-accusé, et bien, il n'y a pas subi, il n'y a pas jugé. Et pour moi, octobre 2023, contrairement à la demande, il y a un avocat, il y a encore un critère qui est fait. Bien encore, et le commissaire gouvernement Atlanta a fait juger l'ancien président Donald Trump avec 16 autres fois, puis avec deux autres qu'on a encore ensemble. En octobre, le juge a décidé que ça va fait et qu'on y est pour l'idée octobre. Cependant, le juge a d'accord avec deux avocats et ancien président Donald Trump en cas de juger même le 23 octobre, dans le pays de Kenef Chesebo. Kenneth Chesebo avec Sidney Powell qui eux-mêmes ces deux avocats et institutions qui ont été ça qui est passé dans l'élection et l'élection 2020 et l'influence que les effets ou le président de l'entreprise s'est fait lui-même tout et bien sûr qui a affecté les résultats de l'élection en faveur au lieu de et président et candidat à partir démocrate là, Joe Biden, qui normalement était en train d'élection. Donc ils sont ceux qui continuent à faire dominer l'actualité. Donc moi, répéter pour nous, le président Donald Trump avec 16 ans accusé, pas jugé dans l'attentat Georgie et en octobre
et contrairement à la demande que le procureur général a fait dans le procès pour ça fait, mais juge a dit non, ça va faire. Mais je vais dire l'accepter pour que j'ai deux accusés dans le dossier ça. Monsieur Powell avec M. Cerro qui ont même abusé et date la fichée de 23. Il a profité d'une date pour l'ancien président Donald Trump avec 16 autres pour accuser et juger dans l'état de droit pour participation dans chercher à renverser les résultats élections présidentielles en novembre 2020. Et puis, il y a un là aussi, censé expulser des diplomates américains pour activité illégale. Voilà, c'est ça pour aujourd'hui. Moi, je n'ai pas eu de question d'immigration. Le groupe immigrant qui m'a assis dans la zone San Diego, sous frontière et dans le partage américain, la zone San Diego. Et nous avons eu 8 fois entre les États-Unis avec le Mexique, pour rejoindre ce groupe avec des militants qui là, qui ont été mangés par mon petit bon bon, qui ont été mangés par mon petit. Et bien, militants ont dit que son groupe de militants ont été mangés par mon. Et ceux qui ont été mangés par les dirigeants américains, surtout les CBP, donc les gardes frontières avec la protection, gardes de la douane avec la protection de palais, ont été mangés par les dirigeants américains. On va contrôler le produit qui va vous pointer jusqu'à l'autre. Mais officiellement, on va vous dire sur quelque chose de là. Et nous allons prendre des témoignages d'un petit boy qui se dit Ghana, en Afrique. Et M. Jésus, en Ghana, il va agir jusqu'à ce qu'il est au Brésil, côté de commencer tout là à pied, pour lui sur frontière, côté de l'Union. On est aux États-Unis, son pays. Et l'opportunité de chercher l'opportunité ça pour la chercher la vie parce que dans le pays la subi persécution. Je crois que Jacqueline est là et bien et gentil Augustin pas avec nous aujourd'hui, monsieur descend Miami, monsieur perdu maman dernièrement là, et bien c'est vendredi la finir la fête. Et M. Descend et il a calmement fini à la café Tigouave en Haïti. Mais il y a eu un descend que les familles ont réuni pour organiser un veillée. Et puis fini à la fête pour demain vendredi dans la ville de Tigouave. Nous profiter de l'occasion pour nous dire gentil, Augustin ensemble avec. Alors non, tout cap gardé de moto. Nous profiter de nous dire gentil, Augustin ensemble avec les familles de l'Orléans. Au moment difficile, ça, nous-mêmes, ça a été. Moi, je vais passer à mon carré, c'est mon instant de tête du moment, alors que je ne suis pas même pas en Haïti, pour une sécurité, pas même pas assez finalement. C'est heureusement grâce à la technologie de l'université finale. Il y a Zoom et son monde risque de m'habiller jusqu'à maintenant parce que je suis vraiment une dernière fois pour Noël, malheureusement. Bonsoir, passez une bonne journée. Eh bien, tout le monde, la situation sécurité en Haïti n'a pas changé. L'école là, l'ouvrir quelque côté, le ministère de l'éducation nationale a dit qu'il ne faut pas faire un rapport, et c'est que la première question n'a pas de faire un rapport sur l'activité électorale là. Et puis, dossier Waname, dossier et construction barrage, ou bien encore construction d'un canal et d'un clos, et rivière massacre là, dans tout côté de Dahabon, mais en dessous, le dossier ça a toujours une actualité là. Autorité haïtienne de concert avec Mutuel, d'accord avec le groupe pour Chita en compte. Et oui, discuter encore, mais c'est débat qui a décidé déjà et depuis déjà d'accord à promouvoir l'environnemental. Malgré que Dominique prend 11 prises, Haïti pour que j'en prenne une. Et voilà qu'Haïti essaie de prendre une. Et Dominique est fâché, le président Dominique menacé pour faire une frontière, fermer le commerce, fermer tout le bagaille si Haïti n'a pas de solution. Et il y a des gens qui disent pour Haïti pas prendre pression. C'est une tactique.